Bonjour à tous, il est exactement 17h, bienvenue au live du Journal du Golf. J'en profite tout de suite pour remercier Rémi Rivière qui est aux manettes et qui nous permet de réaliser techniquement ce live. Donc, vous le savez, ce soir, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. On a une invitée directement depuis les États-Unis. Elle joue sur le circuit américain féminin. On va parler avec elle du golf féminin. Alors, je vois déjà que vous êtes connecté. Alors, si vous m'entendez et que vous me voyez, vous connaissez hein, maintenant, puisque vous êtes des habitués. Il y a déjà Tiger Kawet qui est connecté. Donc, vous le savez, vous mettez un petit commentaire, un pouce. Voilà, Martha aussi qui est là. Michel, salut à tous. Voilà, un petit pouce pour me dire que tout va bien. Et puis, vous le savez, hein, maintenant, vous connaissez le concept de cette émission. C'est basé, évidemment, sur l'échange, sur votre participation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions auxquelles Johanna vous répondra. Johanna Klaten, que nous allons tout de suite prendre. Et voilà, bonjour Johanna. Salut Rémi. Ça va? Salut à tous. Ouais, ça ouais. Va, bah, ça va. Bah, tout le monde est là. Alors, j'étais surpris parce que tout à l'heure, quand on a préparé l'émission, en fait, tu es aux États-Unis. Alors, quelle heure est-il chez toi? Là, il est 8 heures. Il est 8 heures. 8 heures, oui. 8 heures du matin? On a 9 heures de décalage. Oh là 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 là. Bon, bah, déjà. En fait, j'ai la chance, je suis matinale. Donc... ouais, ouais, voilà. Donc, déjà, un grand merci. À toi de t'être levé tôt ce matin pour nous, pour nos... Oh, non, mais moi, tous les jours, je suis réveillée à 5h30, donc ça va, ça fait 2h30 que je suis levée, il n'y a pas de souci. Alors, on le sait, tu es aux États-Unis. Tu es dans quel coin des États-Unis pour qu'on arrive un peu à te situer? Scottsdale, en Arizona. D'accord. Donc, par la fenêtre, il y a des cactus, c'est ça? C'est ça. Ah ouais. Fait voir. Ah ouais, ouais. Allez, fais-nous voir. Fais-nous voir. Voilà. Ah, génial, génial. Voilà, bon, vous voyez, les internautes, on ne vous ment pas, hein, c'est pas des mensonges. Non. Bon, c'est super. En tout cas, alors, bienvenue à Yvan, bienvenue à Joël, à Lorraine, Lionel, Grégory Lebras, qui nous fait le plaisir d'être là. Grégory, avec qui on avait fait un super live sur les plateformes Smart to Move. Voilà. N'hésitez pas donc à poser des questions à Johanna. Alors, première question, puisque tu es aux États-Unis, comment c'est la vie d'expatrié aux États-Unis pour une golfeuse? Écoute, c'est golfiquement parlant, oui, c'est l'idéal. Ouais. Parce qu'ici, c'est vraiment... les parcours sont exceptionnels, c'est maintenu dans un état assez... pour rien reprocher à l'état des parcours, il y en a tous les 300 mètres. Pour au niveau du circuit, il y a forcément plus d'argent. Pour nous, les femmes, c'est assez important de jouer aux États-Unis parce que le tour européen, il y a quand même une très nette différence entre le circuit américain et le circuit européen chez nous, alors que chez les hommes, il y a une différence, mais les hommes peuvent quand même très bien gagner leur vie sur le tour européen. Alors que nous, c'est plus compliqué. Donc, il y a un choix à faire. Voilà. Donc, on est un peu obligé de jouer ici. Et les structures sont top. Donc, ouais, c'est ici que ça se joue. Après, je comprends que pour certaines, c'est un choix qui est très difficile à faire. Il y en a beaucoup qui ont fait ce choix et qui, au bout d'un an ou deux ans, étaient tellement malheureuses, avaient vraiment le mal du pays, qu'elles sont finalement rentrées en France. Voilà, c'est pas facile, mais moi j'ai déjà l'avantage d'avoir fait mes études aux États-Unis, donc ça m'a permis aussi de m'adapter un peu à la culture, ouais. De me familiariser avec la culture américaine. Alors tu le disais et c'est bien parce que c'est une de nos premières questions, c'est est-ce que justement le circuit américain c'est le passage obligé pour une femme? Là tu viens de nous l'expliquer pour des raisons financières. Du coup, oui, c'est aussi le passage obligé, tu penses,
les universités américaines pour après avoir justement cet état d'esprit ou et est-ce Oui, tout qu'on à fait. Je trouve que ça voilà. facilite nettement la transition. Ouais, parce que le circuit universitaire, moi, je le recommande à tout le monde. Il y a des joueuses, des joueurs qui pensent qu'ils vont perdre 4 ans parce qu'ils veulent tout de suite passer pro à 18 ans. Mais l'avantage avec le golf, c'est que tu peux jouer jusqu'à 45 facile, quoi. Et donc non, tu perds pas de temps parce que tu t'entraînes quand même au moins 5 fois par semaine, donc du lundi au vendredi. Après, le week-end, c'est libre à toi. Parce que voilà, ils ont des horaires aménagés. Le matin, tu vas en cours et l'après-midi, tu as au moins 3-4 heures d'entraînement facile. Ensuite, ils ont des trucs. En général, soit ils ont leur propre golf, les universités, soit ils ont un accord avec un golf dans le coin. En général, ils ont, surtout quand tu regardes les meilleures universités américaines, ils ont des structures d'entraînement qui sont exceptionnelles. Ils ont le campus lui-même a des super salles de gym. Les joueurs sont très encadrés. Donc, c'est 4 ans où tu t'offres un bagage, enfin, c'est-à-dire par les études. Au moins, parce que ce que je dis toujours aux gens, c'est que t'es jamais à l'abri d'une blessure. Et si tu as une blessure en début de carrière, ben c'est fini, quoi. Si t'as pas de diplôme, t'es pas bien. Donc, Donc là, au moins, tu assures tes arrières. ouais, Quand t'as le diplôme, t'as un plan B, quoi. voilà, c'est ça. La compétition de l'université a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Maintenant, ils ont même un championnat qui est retransmis à la télé sur Golf Channel aux États-Unis, qui a énormément de succès. Ça se passe en match play et c'est super sympa. Mais en tout cas, c'est devenu ultra compétitif. Donc non, pour moi, tu ne fais que progresser. Donc tu es encore plus prêt pour la vie pro une fois que tu as fini ton cursus. Tu as le bonjour d'Elisabeth Kélas qui dit que tu es une fille super. Salut Elisabeth. Y a Tiger Kawet qui nous demande est-ce que quand tu es aux États-Unis, tu recherches la présence des Français et tu essayes de recréer une vie avec une communauté française, ou alors est-ce que tu es en pleine Non. immersion américaine? Ouais, je suis complètement en pleine immersion américaine. Moi, ce qui m'a permis en fait de m'immerger, Ouais, il est immergé, ouais. m'immerger, ouais, dans cette culture, ouais, c'est ça. Dès le début, sur le circuit américain, j'ai accepté de faire. On a l'option de faire du private housing, ils appellent ça, donc où on loge chez l'habitant. Ouais. Le LPGA organise ça. Ils ont un staff dont l'occupation, c'est de trouver des familles qui sont prêtes à nous accueillir. Bon, après, derrière, ils font quand même des recherches pour savoir si les familles sont normales, on va dire, pas qu'il y ait des incidents. Et donc moi j'ai fait ça assez vite et ça m'a permis de rencontrer des familles. Moi j'ai eu de la chance personnellement parce que j'ai eu quasiment que des bonnes expériences. Je sais qu'il y a quelques joueuses qui n'ont pas eu autant de chance que moi visiblement. Mais moi ça fait 5 ans que je fais ça. Et par exemple les gens chez qui je loge là actuellement à Scottsdale, donc c'est des amis que j'ai rencontrés par ce biais-là. Et c'est devenu des gens très très proches. Et j'en ai comme ça maintenant un peu aux quatre coins aux États-Unis et qui sont prêts à m'ouvrir leurs portes quand je veux. Et ça c'est top. Ça c'est top parce que ça fait que je me sens beaucoup plus chez moi. Parce que moi l'hôtel, surtout les chaînes d'hôtels américaines, les Holiday Inn et compagnie, Ouais, ça va bien un c'est moment, toujours les mais mêmes chambres. Voilà. ouais, on en reparlera évidemment, mais c'est vrai que la vie en tournoi, c'est une vie qui est quand même spéciale parce que tu vas d'hôtel en hôtel. Il faut pas croire qu'on y va en jet privé. Il faut surtout pas croire qu'on a le temps de faire du tourisme et de découvrir ce qui se passe.
C'est un vrai métier et souvent quand on rentre dans la chambre d'hôtel, là je parle de moi, hein, à mon petit niveau quand j'ai fait les épreuves du circuit français, quand tu as fait un mauvais score et que tu rentres dans ta chambre d'hôtel et que tu es tout seul, Ah oui, non, il y a des c'est fois violent. tu Et ouais, c'est il y a des pour fois ça tu peux vite choper le que. cafard, Ouais, non, c'est pour ça que les chambres d'hôtel, moi, je ne supporte pas, en fait. ouais. Je trouve que c'est quelque chose d'assez glauque, au Ouais, final. exactement, glauque, c'est le mot que je cherchais. Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de Français. Ouais, pas beaucoup de Français qui sont aux Expatrié comme États-Unis. Je parle ça, des hommes, parce ouais. qu'eux, ils n'ont pas cette option d'être chez l'habitant. Parce que, bon, le tour américain, c'est quand même. Surtout le PGA Tour. C'est un autre monde, je sais pas comment dire, mais en début d'année, j'étais au Arnold Palmer Invitational et au Honda Classic. Je suis passée en vitesse pour voir mon coach. Et c'est impressionnant les structures qui sont mises en place. C'est encore un autre niveau que le Tour européen masculin. Il y a déjà le mardi et le mercredi, il y a un monde de fou. Ouais. Alors que ils ont des gradins sur tous les trous. Enfin, c'est un stade de football presque à tous les trous. Ouais. Donc les mecs sont vraiment traités comme des énormes stars. Donc tu peux pas fournir voilà cette option de loger chez l'habitant aux hommes parce que je te dis les gens ici ils traitent les stars du PGA Tour comme si c'était des dieux quoi. Donc un mec, jamais, il va vouloir aller chez l'habitant qui va le saouler toute la soirée. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Non, c'est pas comme pour nous. On a une question d'une internaute. Là, est-ce que justement, puisque tu parles d'aller chez l'habitant, de vivre chez l'habitant et tout ça, comment ça se passe actuellement? Est-ce que tu es confiné? Est-ce que tu peux encore t'entraîner? Est-ce que vous allez jouer les tournois à huis clos? Comment ça va se passer? Et il y a Tiger Kawhet qui te remercie parce qu'il dit que c'est super sympa d'avoir des infos et de connaître les coulisses du haut niveau féminin. Ah bah Alors avec plaisir. bah ouais, c'est le but. Je voulais apporter un peu de parité dans les lives. La semaine dernière, on était avec Sandrine Mandiburu. Et là, je trouve que c'est génial de t'avoir et justement d'avoir ce regard des US. Ouais. Donc le confinement. Donc le confinement, écoute, alors ça dépend des endroits aux États-Unis. Évidemment, si tu te retrouves en Californie. Surtout dans les grandes villes comme San Francisco, Los Angeles, même San Diego, je crois qu'ils ont fermé tous les golfs. New York, pareil. L'État du Washington, vers Seattle, ils sont aussi très touchés, donc ils ont fermé quasiment tous les golfs, il me semble. Ici, ce qu'ils font, c'est que, comme dans la plupart des États, comme en Floride, etc., c'est qu'ils ont fermé, tous les golfs privés. Ont fermé leurs portes aux non-membres. Donc D'accord. malheureusement, là, moi ici, les gens chez qui je suis, donc c'est à l'intérieur d'un resort où il y a 7 parcours, et bah, ils ont fermé les portes aux non-membres. Donc là, ça fait 2 semaines que je ne peux plus jouer ici. Après les 2 dernières semaines, je suis allée jouer 2 fois, enfin 2 semaines, dans un golf public avec une copine chez Yen. Qui est sur le tour et 2 autres copains, dont un qui est pro au golf en question, et ça, c'est un golf public. D'accord. Donc voilà, j'ai pu jouer 2 fois en 2 semaines, c'est évidemment moins que ce que j'aimerais, mais bon, c'est déjà plus qu'en France, donc je vais pas me plaindre, mais ouais, donc la plupart de mes amis qui sont aux États-Unis continuent à jouer parce que la plupart sont membres dans des clubs, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ferment les clubhouses. Très souvent, ils ferment les practices parce que, bon, avec les balles de practice, bah, voilà, faut éviter de laisser tout ce qui est en commun entre les gens, quoi. Et souvent, pas de voiturette. Et ensuite, ils enlèvent les râteaux. Ils mettent des espèces de donuts dans les trous pour que quand tu ramasses la balle, tu touches le drapeau. Et voilà, quoi. Mais bon, enfin, moi, je trouve ça dommage qu'on fasse pas ça en France. Parce que voilà, tu laisses les gens juste aller sur le parcours. On a quand même, il y a des grosses distances entre les gens. Moi, je trouve, ben ouais, non, mais le problème, c'est qu'on n'a pas un président qui aime le golf comme aux États-Unis ou comme la plupart des. Le gouverneur d'Arizona a quand même dit
Non, on va tout fermer sauf ce qui est essentiel. Et donc, il a dit les supermarchés, les supermarchés, bon, les supermarchés et en gros, et les golfs. Il a sorti les choses essentielles. J'ai trouvé ça génial. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'on devrait laisser au moins juste les parcours ouverts pour que les gens prennent l'air. Et franchement, t'as moins de densité au mètre carré que, par exemple, à Paris actuellement, où tu vois qu'à partir de 19 h, les gens peuvent sortir de chez eux pour aller faire du sport. Tu les vois sur les quais, ils sont tous à 5 mètres l'un de l'autre en train de courir. Et sur le golf, Ouais. beaucoup plus d'espace. Ouais, tout à Donc fait. voilà, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Alors là, tu es un fan inconditionnel. Hein, alors tu ne le vois pas. Je précise aux internautes que tu ne vois pas l'écran, mais en tout cas, je recopie les commentaires. Et là, tu as un fan, Edouard, qui met c'est une super golfeuse, c'est la plus élégante et la plus fit. Alors moi, je vais rajouter la plus sympa. Et ça va déboucher sur une question, puisque nous, on s'est croisé plusieurs fois à l'Evian Championship, que tu as fait, je crois pas me tromper, 4 fois, 2015, 2000, 5 fois. 5 fois. Sois pas insolent, s'il te plaît. Ah, bah tu vois, j'avais alors 5 fois J'ai l'Evian. raté le 4 les 3 premières fois et après j'ai enfin enfilé le deuxième 5 week-end. fois l'Evian Championship, on a eu l'occasion de se croiser. Là, on le voit à l'écran. Pour ceux qui te connaissent pas bien, tu as toujours le sourire. Et ma question justement, c'est ça, c'est comment on peut avoir le sourire, être sympa comme tu l'es, et être une vraie guerrière sur le parcours. Est-ce que c'est de la schizophrénie? Est-ce que tu prends un traitement contre ça, ou Non, est-ce que voilà, non, mais quand comment tu tu arrives à fais, gérer franchement, ces quand tu deux fais de aspects de ta, ta personnalité? mais non, mais c'est après, c'est quand tu fais de ta passion ton métier, c'est facile de garder le sourire. Hein. Donc oui, je suis entre sourire, parfois frustration, parce que quand t'as pas les résultats que tu veux, quand tu es tellement attaché au métier que tu fais, ben, ça va dans les deux sens. Ça te rend très heureux, comme ça peut te rendre très malheureux par moment. Mais après, avec le temps, j'apprends à balancer les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, une mauvaise performance m'affecte nettement moins qu'auparavant. Ouais. J'arrive beaucoup plus à prendre du recul. C'est l'avantage de prendre de l'âge. Et t'arrives justement à relativiser et à te dire, ok, Oui. quand je suis sur le parcours, je suis en mode guerrière. Et une fois que je suis sorti du parcours, tac, je retrouve mon côté. Parce que bon, là, on le voit un petit peu, mais tu fais beaucoup des blagues. Tu as un sens de l'humour. Et vraiment, quand on voit tes deux facettes, donc ça, c'est un côté que tu as travaillé, ou c'était déjà comme ça? Non, c'est assez naturel chez moi. C'est juste que, enfin, aujourd'hui, j'essaye juste de. En fait, tu me verras sourire, blaguer, par exemple, entre les coups sur le parcours, parce que voilà, tu ne peux pas rester concentré pendant 5 heures, c'est impossible. Le cerveau, il n'est pas fait pour ça, en tout cas pas le mien. Et donc, c'est important de se détendre. Et là, bon, là, ça va être moi-même. Et ensuite, quand je rentre un peu dans ma bulle, bon, ben voilà, je suis dans ma bulle, dans ce que je veux faire, etc. Et puis ensuite, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de ne pas m'éparpiller, d'être aussi productive que possible dans ce que je fais. Donc, quand je sors de ma partie, bon, je me détends, je déjeune, je réponds à 2, 3 questions. Et ensuite, quand c'est le moment de s'entraîner, je vais pas commencer à parler à droite, à gauche et à rigoler avec tout le monde. Je me dis, allez, je me laisse une fenêtre au moins de 1 heure pour m'entraîner. Et pendant cette heure-là, je ne vais parler à personne. Je vais être dans mon truc. Je suis pas là pour blaguer parce que sinon, tu t'es pas productif. Enfin, y a un moment où voilà, tu apprends avec le temps à faire dans la qualité. Parce qu'avant, je pouvais passer 3, 4 heures à m'entraîner après une partie, mais au final, je faisais du productif au total pendant peut-être 45 minutes parce que j'étais là à blaguer, à parler à droite, à gauche, et ça sert à rien. Au final, tu dépenses beaucoup d'énergie
pour quelque chose qui est très peu qualitatif. Donc voilà, j'essaie de voilà de bien faire la part des choses. Ouais, tu t'es recentré sur le, sur la qualité. Alors justement, puisque tu parles de ta façon d'être sur le parcours et en dehors du parcours, moi j'ai retrouvé des images d'archives qui étaient lors de l'Open de France, Lacoste Open de France. C'était au Pierre-Médoc. Voilà, je passe quelques images de Johanna et ça va nous permettre d'apprendre aussi à te connaître. Allez, on regarde ça ensemble. Alors observez bien ces images hein, que Johanna ne voit pas, mais on parlera après. Voilà, vous avez vu là le drive. Alors ça tape même fort. On va en parler après avec elle. Voilà, là on la voit signer des autographes aux enfants à la fin à la fin de la partie. Et donc là on la voit jouer avec Nelly Korda et Céline Boutier. Voilà, tac, un très joli pote. J'avais bien fourré cette semaine-là. Et on voit que le public français est derrière elle. Voilà. Le Là, bruit. c'était un peu le dimanche de rêve parce que il y avait Céline qui sortait de la Slalom Cup où elle avait fait une Slalom Cup absolument parfaite puisqu'elle a gagné tous ses matchs. Donc la française numéro 1 en dernière partie. Et Nelly Korda, top 10 mondial. Donc c'était vraiment, on pouvait pas rêver de meilleur scénario, enfin pour Alors là, moi en tout cas, de pouvoir partager cette dernière partie on avec les deux. parlera du petit exercice que l'on vient de voir où tu mets ta main droite le long de ta main gauche. Voilà, là on voit ton driving au ralenti. C'est fantastique. Fantastique. Voilà, et là on le voit maintenant à vitesse réelle et on entend le claquement de la balle. Voilà, super, de super images de golf. Voilà, Johanna, bah, moi, super. Moi, j'adore le golf féminin. Je trouve que c'est très élégant, c'est très fluide et à la fois ça dégage une puissance extraordinaire. J'invite vraiment les internautes à venir suivre des tournois féminins parce que je trouve qu'on apprend plein de choses. Il y a évidemment le côté spectacle, mais en plus on apprend des choses. Alors évidemment pendant cette petite vidéo, il y a eu plein de questions. Une question de Philippe qui nous dit Johanna, tu vois, qui a été impressionnée par les images de driving. Johanna, pourriez-vous nous donner votre moyenne de longueur au drive? Et alors Philippe, on va même t'en dire plus à propos du driving de Johanna parce que alors, je ne veux pas raconter de bêtises, donc je vais te laisser le dire. Mais je crois que tu as été une, voire même deux fois, plus longue driveuse sur le LPGA, c'est ça? Ouais, exactement. 2015 et 2016. Voilà. 2017, j'étais seconde. Enfin, là, l'année dernière, j'étais aussi troisième.
Après, le problème, c'est que l'année dernière, j'étais aussi dernière en février en régulation. Donc voilà, c'est bien d'être longue, mais si tu touches pas les fairways, ça sert à rien du tout. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'ai fait un gros travail cet hiver et qui a bien, très très bien porté ses fruits parce que maintenant, quand je fais des parties, les gens me disent, ça t'arrive de rater des fairways? Ah, c'est Ce génial. qui, Et voilà, oui. en gardant ta distance? Alors, non, je pense que j'ai perdu un peu. Ouais. Le truc, c'est que si tu observes mon swing un peu au ralenti, tu comprends pourquoi j'étais aussi longue au driving. C'est que j'apprenais tellement en remontant. J'apprenais tellement en remontant et j'avais donc un bas du corps super actif, mais j'arrivais un peu en arrière et je rattrapais avec les mains. Donc, Ouais. ce qui augmentait la vitesse au passage. Mais le problème, c'est que si je n'avais pas un timing parfait, bah, je m'en Ouais. mettais partout. D'accord. Parce que soit c'était un énorme push, soit bah, je rattrapais très fort avec les mains et ça partait en hook. Donc voilà, je dirais, il y a un moment où il faut faire un choix. Soit tu décides de sacrifier 10 mètres, 15 mètres, mais au moins, voilà, tu passes de. Moi, je suis passée de ça à ça sur mes drives ratés. Donc c'est un choix que j'étais prête à faire, il n'y a aucun souci. Maintenant, je suis super à l'aise. Alors que l'année dernière, c'était, à part l'Open de France où j'ai trouvé un pansement au début du tournoi, ça a été épouvantable. Franchement, j'étais inquiète à chaque départ, quasiment, quoi. Parce que je savais que je pouvais mettre 40 mètres à droite. Est-ce que ce pansement, c'est ce que l'on a vu dans la petite vidéo? Ou Ouais, c'est ça, avant de ouais. démarrer, tu mettais ta main sur le côté? Voilà, c'est ça. C'était un pansement. Et franchement, au tout début de la semaine, le lundi, mardi, je tapais mal, comme toute la saison. Et puis finalement, j'ai trouvé ce pansement un peu. C'était en parlant avec Wallace. Qui était au practice et c'est lui qui m'a montré ce pansement, on va dire, Ouais. et je l'ai utilisé et ça m'a donné une certaine sérénité et ça, mais malheureusement c'était qu'un pansement, donc en fait les pansements ça marche pendant 1 semaine, 2 semaines et puis au final ça règle pas le fond, donc après je me suis remis à très mal jouer, d'ailleurs ça s'est vu aux cartes américaines. Et carte américaine, rebelote, j'en mettais partout au drive, quoi. C'était épouvantable. Donc voilà, la véritable source de ces problèmes-là, c'était dans les fondamentaux. Je savais qu'il y avait des choses à l'adresse qui n'allaient pas. Bon, entre-temps, j'ai aussi récupéré enfin, j'ai pris un nouveau coach à Atlanta, Scott. Mais j'ai surtout revu les bases, les fondamentaux avec mon coach de toujours, Paul Galitzine, avec qui j'ai commencé le golf à 8 ans et avec qui j'ai bossé jusqu'à l'âge de 23 ans. Et lui me connaît par cœur et je lui ai dit, écoute, Polo, il faut que je suis pas contente avec mes fondamentaux, je trouve qu'à l'adresse, je suis bizarre, je me sens pas à l'aise et je trouve que quand je me regarde sur les vidéos, il y a quelque chose qui va pas. Et donc on a changé pas mal de choses et c'est des choses assez subtiles. Mais qui, enfin, c'est comme quand vous changez un peu votre grip, ou enfin, ça fait super bizarre au début. Donc ouais, il y avait un petit peu le grip, il y avait la position de mes pieds, il y avait la position de mes hanches, il y avait la position de ma tête. Voilà, moi je trouve que ce sont des clés qui sont très très importantes au golf, parce que quand vous regardez tous les meilleurs swings, que ce soit Adam Scott, Tiger, etc., bah, ils sont tous hyper carrés devant la balle, ils ont tous la même les mêmes fondamentaux et du coup bah, ça fait que vous allez bouger mieux que si vous êtes complètement tordu devant la balle. Enfin, Ouais. suffit de voir tous ceux qui swingent bizarrement, les Bubba Watson, les Jim Furyk, ils sont bizarres, et Keegan Bradley, ils sont tous un peu bizarres devant la balle. Donc forcément, tu vas pas bouger de la même façon. Donc c'est important que l'axe de la colonne vertébrale soit droit, que tout soit droit. Et donc du coup on a fait tous ces petits changements. Au début, ça m'a pris quelques semaines pour m'habituer. C'était assez, quelque part, c'était assez terrifiant.
parce que tu te sens pas du tout à l'aise, mais je savais que je n'avais rien à perdre, parce que Ouais. je voulais pas continuer à jouer au golf comme ça. Le coach que tu as en ce moment s'appelle Scott Hamilton, donc il est basé aux États-Unis. Oui, à Atlanta. Ouais, et donc c'est lui qui t'a fait faire ces changements, hein, c'est ça? Non, les changements fondamentaux, je les ai faits avec Paul. D'accord. Je les ai faits avec Paul. Scott, ce qui est génial, c'est que j'ai pas besoin de le voir beaucoup. Je le vois une fois tous les 2 ou 3 mois. Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu donc à la fin des cartes, après les cartes. C'était donc fin novembre, début décembre. Je l'ai revu fin décembre. Et ensuite, je l'ai vu à mon retour le 20 février. Je l'ai vu 2 jours. Et là, je vais le revoir samedi. Je pars à Atlanta pour une semaine. Et je vais le revoir aussi là pendant une semaine. Parce que de toute façon, parce que je serai là pendant une semaine. J'ai mon vol de retour pour la France le 25. Et voilà, donc j'ai pas besoin de le voir beaucoup. Avec lui, ce qu'on fait, c'est que on fait de la vidéo et on fait surtout les gears. C'est le, il a un studio avec la machine à 3D et ça permet de voir des choses qu'à l'œil nu on ne peut pas voir. Et il va me trouver des choses très très simples. Et voilà quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois quand je rentre en France, j'aime bien pouvoir bosser un peu avec Polo qui me connaît parfaitement. On discute de ce que j'ai travaillé avec Scott. Et c'est très bien, ça a très très bien fonctionné avec Paul. Donc en janvier-février, on a passé beaucoup de temps ensemble et ça m'a énormément aidé. Alors, justement, tu parles de Paul Galitzine, qui est le pro du golf de Saint-Cloud, qui t'a vu depuis ton plus jeune âge. Il t'a suivi entre 8 et 23 ans. Eh bien, écoute, Ouais. j'ai enregistré une petite interview avec lui et je vous propose de regarder donc l'interview réalisée avec Paul Galitzine, qui est le premier coach de Johanna Clayton. Bonjour Paul Galitzine, tu es pro au golf de Saint-Cloud et c'est toi qui as eu la chance de détecter et de former Johanna Clayton. Alors évidemment, bah, tout le monde a envie de savoir, Johanna Clayton, comment elle était quand elle était petite? Ben, Johanna était une petite fille. Bon, j'ai commencé à m'occuper d'elle. Je l'ai initiée au golf. Elle avait 7-8 ans. C'était quelqu'un de très dynamique, très vivante et surtout très très vite passionnée par le golf. Voilà. Est-ce que tu as tout de suite, donc hormis ce côté passionné, est-ce que tu as détecté chez elle tout de suite des prédispositions à jouer au golf? Et si oui, quelles sont justement les prédispositions qu'il faut avoir pour devenir une championne? Bah écoute, oui, parce qu'elle est devenue très vite passionnée, elle travaillait beaucoup plus que les autres. Pour te donner un exemple, elle pouvait rester 4-5 heures sur un putting green et à travailler les potes. Ça, c'était très très vite ce qui m'a interpellé chez elle, c'est sa capacité à travailler. Ouais, donc l'abnégation, le travail. Est-ce qu'elle a toute petite eu des habiletés, des capacités qui étaient meilleures que la petite fille qui jouait sur le tapis de droite ou sur le tapis de gauche, j'allais dire? Bah, en dehors de sa capacité à fournir beaucoup de travail, elle tapait plus fort que la moyenne des petites filles de son âge. Donc elle avait déjà elle était puissante pour une petite fille. D'accord. Et ensuite, tu as suivi sa carrière. Est-ce que vous êtes resté en contact? Et est-ce que le fait justement de l'avoir eu à l'école de golf toute petite, ça t'a aidé à suivre son parcours? Ah ben bien sûr, c'est devenu au fil du temps une très très bonne amie. Je l'ai suivie techniquement jusqu'à ce qu'elle passe professionnelle. Et ensuite, Cédric Doucet a pris le relais. Et puis, donc, ce qui l'a entraîné les 2-3 ans où elle est restée sur le circuit européen.
Puis ensuite, elle est partie aux États-Unis où là, elle a pris un coach là-bas. D'accord. Donc c'est très utile, de connaître la joueuse depuis qu'elle est petite, parce que ça permet de connaître, entre guillemets, son swing naturel. Et tu as eu la classe, ou en tout cas, tu as su à quel moment il fallait que tu passes la main pour qu'elle soit suivie au plus haut niveau. C'est un peu ça? Ah oui, tout à fait. Oui, ça se fait tout à fait naturellement. Voilà. Puis elle avait besoin de voir d'autres horizons. Et puis surtout, le monde professionnel, elle avait besoin d'un coach vraiment disponible. Et moi, je ne l'étais pas par mes fonctions au sein d'un club. Hein. Je suis un professeur de club, donc j'avais pas forcément le temps pour la consacrer, pour la suivre. Ouais, pour la suivre, à consacrer. Mmh. Donc c'est très bien. Et comme ça, ceux qui ne te connaissent pas apprendront à te connaître. Tu fais partie de ces enseignants qui pensent que le joueur ne leur appartient pas et qu'on fait tout ça pour le bien du joueur. Et qu'il y a un moment où il faut savoir passer la main. Justement, à propos du golf féminin, là, c'est une question un petit peu plus large. Comment tu expliques que beaucoup de jeunes, mais aussi de jeunes filles, arrêtent le golf en compétition pour se consacrer aux études? Alors d'abord, je pense que le circuit féminin européen est très peu doté. Donc déjà, pour une jeune fille en Europe, c'est compliqué de se lancer dans une carrière, sachant qu'au bout, il n'y a pas tellement d'argent, hein, parce qu'on est professionnel aussi pour cela. Et les structures en Europe sont beaucoup moins, développées qu'aux États-Unis. C'est sûr qu'aux États-Unis, déjà, la carotte, c'est le circuit américain féminin, où là il y a beaucoup de sponsors, c'était beaucoup de la télévision, il y a les spectateurs, et forcément cet engouement fait que aux États-Unis c'est plus simple. Ouais. Écoute Paul, merci, j'espère que ce petit clin d'œil fera plaisir à Johanna, en te remerciant encore et puis en te félicitant pour tout ce que tu fais au sein du golf de Saint-Cloud. Voilà, à bientôt, salut Paul. À bientôt Rémi, au revoir, merci. Voilà, on revient avec Johanna. Alors, je sais pas Johanna si tu as pu voir ou entendre ce qu'a dit Paul. Ouais, j'ai pu entendre un peu. Oui. Ah, t'as un retour. OK, super. Alors, évidemment, on sent que il est dithyrambique lorsqu'il parle de toi, il y a vraiment il t'apprécie, il y a vraiment une relation particulière. Moi, il y a plusieurs adjectifs te concernant qu'il a utilisés et qui fabriquent une championne. Il a dit, il faut être passionnée, il faut être travailleuse, et ensuite physiquement, il a parlé de ton dynamisme et de ton côté athlétique. Est-ce que tu confirmes que ce sont des ingrédients qui, à la base, font la différence avec les autres jeunes filles? Oui. Il faut être passionné si t'as personne derrière toi qui va te pousser, parce que t'as deux scénarios sur le tour. T'as soit les joueuses qui sont extrêmement passionnées, soit celles qui ont été très très poussées par leurs parents, surtout donc chez les Coréennes. Ou soit encore celles qui sont naturellement tellement douées et qui voient une opportunité de très bien gagner leur vie, et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ces trois profils là. Moi je préfère mon profil parce que voilà, ça vient de moi, cette décision de passer pro, de continuer, c'est un choix purement personnel. Mes parents ne m'ont jamais poussé dans cette direction là. Ils m'ont poussé à jouer au golf quand j'étais petite parce que voilà, ça me faisait sortir, parce que c'est sain comme occupation. Mais quand il s'agit de passer pro, ils n'étaient pas très pour au départ, parce qu'ils savaient que c'était une vie difficile, qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Ils ont été un peu surpris par ma décision parce que je n'avais jamais eu cette ambition-là. Et c'est au terme de mes études, j'ai fait un stage chez RTL en marketing. Et
c'était l'enfer. Enfin, je n'ai pas du tout. La vie de bureau, être devant un ordinateur toute la journée, à faire quelque chose qui en fait ne me passionnait pas du tout. Ouais, on a. Non, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là? Et je voyais, j'avais arrêté à ce moment-là le golf depuis un an et demi. J'avais pas touché un club depuis un an et demi, mais je voyais les filles avec qui j'étais en équipe de France qui avaient l'air de bien se plaire sur le circuit. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donne si je me donne à fond? Et donc, du coup, j'ai décidé de reprendre les clubs et je m'y suis remise à fond. Et il n'y avait personne pour me mettre un coup de pied aux fesses à 5 heures du mat pour aller Ouais. m'entraîner, enfin pour aller me préparer, etc. Je le faisais vraiment. C'était voilà, j'avais tout d'un coup un rêve et ce rêve, ça faisait que je me levais le matin pour m'entraîner, que je m'entraînais toute la journée. Et j'adorais ça. Alors, est-ce qu'il faut être passionné? C'est difficile de dire parce que je te dis, la plupart des Coréennes et quelques Américaines, par exemple, que je connais, n'aiment pas le golf. Mais c'est comme André Agassi, si tu lis son autobiographie, tu découvres que lui et Steffi Graf n'étaient pas passionnés. Ils ont été super poussés par leurs parents, comme beaucoup de joueurs, de joueuses. Voilà, et après, ça devient une machine à fric. Et bon, bah, tant mieux, super. Mais donc, je sais. Donc, par contre, on a Tiger, qui, on le sait, c'est un mec qui est passionné par le golf. Donc, ça aide, mais ça fait pas tout, la Ouais. passion. Y a Philippe qui dit son plus grand fan reste son père. Tout à l'heure, tu as parlé justement de l'importance de l'entourage. Donc tes parents ne t'ont pas forcé, ils t'ont accompagné. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à des parents qui ont de jeunes enfants qui ont le même rêve que toi et peut-être que tu es en train, j'espère qu'on sert à ça, qui sont en train de te regarder, qui sont en train de dire, mais attends, mais oui, moi je suis une petite fille, je vais faire comme Johanna, je vais aller faire mes études aux États-Unis, ça va me permettre d'apprendre l'anglais, d'avoir un diplôme et de jouer. À ces parents de petites filles, qu'est-ce que tu as envie de leur passer comme message? Moi, je suis pas fan des parents qui mettent trop de pression sur leurs enfants parce que moi, je constate qu'une chose, c'est que la plupart des joueuses qui sont sur le circuit et qui font ça parce qu'elles ont été forcées par leurs parents, mais on les voit hein, souvent, il y a un des deux parents qui voyage non-stop avec ces filles-là et qui vérifie bien qu'elles bossent toute la journée, encore aujourd'hui, quand elles ont 23, 25 ans. Et tu les sens pas du tout épanouies, quoi. C'est un peu dommage. Après, bon, c'est la culture coréenne. Ils savent que c'est un moyen de grimper les échelons socialement. Ouais. Donc, et le problème, c'est que voilà, eux... Ils vont abandonner tout métier, ils vont tout investir dans leurs filles et vont les suivre non-stop comme ça. En France, c'est pas du tout dans la culture française d'abandonner son métier pour suivre son enfant partout. Moi, je trouve qu'il faut laisser faire, faut être à l'écoute de son enfant et voir vers quoi il s'intéresse. Et si c'est pas le golf, ben c'est pas le golf. Ouais, c'est il y a rien de grave. Mais est-ce que. Ouais, il n'y a rien de grave après. Moi, je vois bien la différence entre les garçons et les filles. J'ai toujours vu, par exemple, dans mon club où il y a une grosse école de golf, les garçons, les passionnés, t'en vois un paquet. Et ils font plein de concours entre eux. Ils sont capables de rester jusqu'à la tombée de la nuit. Dès qu'il y a les vacances, les parents, ils les lâchent le matin, ils les récupèrent le soir. Et ils sont comme des fous. Et ça, je trouve ça génial. Parce que c'est vrai que les filles, à cet âge-là, à 13, 14, 15 ans, elles sont plus intéressées par le shopping, les garçons, ou j'en sais rien, moi. Mais c'est vrai que je vois rarement des filles passer de leur plein gré la journée au golf. Alors, on a un petit, Donc. j'ai un petit document là que je vais faire apparaître à l'écran, un document qui nous a été donné par Jean-Luc Ekaela, qui est le directeur de la performance pour la Fédération française de golf. C'est une stat qui est très intéressante sur justement l'âge de passage
des filles professionnelles. Donc on voit que le début pro chez les Anglaises, c'est 18 ans, chez les Espagnols, c'est 20 ans, et aux États-Unis, c'est 17 ans, et en Corée, c'est 16 ans et demi le passage pro, alors que chez nous, Alors. nous, c'est beaucoup plus. Alors, je vais mettre justement le document. Voilà, chez nous, les Françaises, c'est en moyenne à 22 ans. Donc, on a pratiquement 6 ans d'écart. Est-ce que toi, cette statistique, tu la retrouves sur le circuit où tu vois Ah, je des filles de pensais plus en pas plus jeunes? que ouais. Bah écoute, oui, ça c'est vrai que les Coréennes, elles passent pas trop par le cursus américain, sauf celles qui sont coréennes américaines, qui sont nées, enfin ou qui ont grandi aux États-Unis. Mais dans l'ensemble, ouais, toutes les Coréennes passent pro à 16-17 ans, ça m'étonne pas. Les Américaines, je suis un peu étonnée parce que la plupart passent par le cursus américain. Souvent ne finissent pas, ne font pas les 4 ans, mais en général font au moins 2 ans. Et toi, tu trouves ça bien justement d'aller très tôt à la compétition, ou est-ce que justement tu estimes qu'il faut un certain recul, une certaine maturité pour justement pouvoir en profiter? Non, moi je trouve que c'est l'avantage qu'on a avec le golf par rapport à d'autres disciplines comme le tennis ou le foot, ou c'est qu'on peut jouer jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc je vois pas où est l'urgence de passer pro à 18 ans. Je trouve Ouais, ça dommage. il y a pas d'urgence. On rate. Enfin pour moi les années d'université, surtout université américaine, c'est les plus belles années. Et ça, quasiment toutes les joueuses sont hyper nostalgiques par rapport à leur année d'université. C'est vraiment le rêve américain, je trouve, les universités américaines. Donc c'est vraiment dommage de ne pas passer par là. Parce que voilà, les filles qui passent pro à 17-18 ans, quasiment toutes à 30 ans, elles ont un burn-out, quoi. Elles n'en peuvent plus. Tout à l'heure, Paul Galitzine, donc le pro que tu as eu quand tu étais jeune au golf de Saint-Cloud, a dit qu'il avait préféré passer la main. Il a parlé, enfin c'est moi qui ai parlé de classe et lui d'intelligence, de passer la main parce que il est pro de club. Et n'avait pas assez de temps à te consacrer pour pouvoir te suivre sur les tournois, donc il a passé la main. Maintenant que tu t'entraînes avec Scott Hamilton, le coach aux États-Unis, est-ce que tu fais justement appel aussi à d'autres consultants dans la préparation physique, dans la préparation mentale? Et est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ta visite chez Phil Kenyon, le spécialiste du putting? Oui, alors je vais commencer par Phil Kenyon. Je l'ai vu il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, ouais. Il me semble, il y a 3 ans ou 12. Et oui, il y a 3 ans. En février, quand j'étais blessée justement à l'épaule et que il me semble que j'avais arrêté le golf pendant 5 mois à cause de l'épaule. Et donc, comme j'avais rien d'autre à faire, je me suis dit, attends, je vais essayer de voir ce mec dont tout le monde parle, qui est très très reconnu dans le monde du putting, qui est à Liverpool. Et parce que moi, j'avais vraiment des gros problèmes de putting. Ça faisait depuis le début de ma carrière que je ne putais pas bien. C'était vraiment un gros gros talon d'Achille. Donc je suis allée le voir, et en effet, ses stats sur toutes ces machines-là montraient que j'avais 5% de régularité de rotation de face de club. 5% de régularité, c'est-à-dire qu'un coup j'ai la face qui se ferme, un coup j'ai la face qui s'ouvre, elle revenait jamais de la même manière. 5% de régularité, donc c'est absolument pathétique. Donc là, il m'a dit, écoute, en fait, tu as une main droite que tu as du mal à le contrôler, quoi. Donc il m'a dit, on va essayer plusieurs grips différents. Donc on a essayé, on a tout essayé. Et à chaque fois, il avait les données avec chaque grip pour savoir ce qui me convenait le mieux. Et puis au final, le mieux, c'était le grip pince. Et il m'a donné deux clés techniques avec. Et depuis, bah, ça, je ne l'ai pas vu depuis. Hein, et j'ai gardé le même putter depuis, ce qui est aussi un record, parce qu'avant, je passais jamais plus que 3-4 mois
avec le même putter. Et là, aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai le même putter. Et voilà, donc depuis, je suis jamais revenue en arrière, j'ai jamais questionné, j'ai jamais demandé à qui que ce soit vraiment de l'aide. Et depuis, je pote. Ça m'arrive d'avoir des mauvais tournois. En début d'année, là, le seul tournoi que j'ai joué, malheureusement, j'ai mal poté, mais j'ai assez vite retrouvé ce qu'on avait travaillé, en fait. Et maintenant, ça va très bien. Mais voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé de le voir. Et est-ce que tu Ensuite, et d'autres est-ce que ouais. tu as été cher est-ce que tu as été chercher d'autres expertises à droite à gauche dans d'autres domaines, mental, physique, Alors, physique, beaucoup en début de carrière. Alors, hein? surtout j'ai vu pas mal de gens différents. J'avais commencé. Celui qui m'a un peu donné l'envie de me mettre au physique, c'était Johan Caudal. Ouais, alors Donc, moi, c'est le frère c'est le d'Anis frère Caudal. d'Anis Caudal, voilà, exactement, qui est à Biarritz. Parce qu'avant, moi, je détestais l'entraînement physique, je détestais courir, je détestais tout ce qui était fitness. Alors Et lui m'a donné c'est envie, marrant parce donc on a que lancé. Martha laisse un commentaire en disant que elle adore tes séances de fitness parce que tu as tourné des épisodes de préparation physique avec la Ah oui, Fédération il y a Française de longtemps, oui. Golf. Ah ouais, et on peut Oui. encore les retrouver sur YouTube. Donc tu Ouais, vois, c'est vrai. Martha fait C'était tes, longtemps, c'était il y a 5 ou 6 ans, je eh ben, crois. elle fait tes séances de physique. Ouais, c'est rigolo. D'accord, ok. Bon, c'est rigolo, ouais. Et oui, donc voilà, lui, il m'a donné envie. Après, il savait qu'on ne pouvait pas continuer ensemble parce que lui étant à Biarritz, moi à Paris, tout ça, c'était un peu compliqué. Donc ensuite, j'ai bossé avec Rémi Barbarin, qui était à Saint-Cloud et qui était pendant longtemps l'entraîneur de joueurs de tennis sur l'ATP, de l'équipe de France. Donc lui, on a travaillé beaucoup la proprioception, l'équilibre, tout ça, parce qu'au début, j'étais vraiment nulle. J'étais pas du tout gainée, j'avais aucune stabilité, et ça se voyait dans mon swing. Donc on a commencé, voilà, doucement. Ensuite, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai commencé à bosser avec un gars à Dallas, un petit peu, qui était pas mal. Et puis après, avec une véritable structure qui était la même que Jordan Spieth, qui s'appelle AMPD, j'ai bossé avec eux. Mais avec eux, je me suis pas mal blessée. D'ailleurs, c'est pour ça que Jordan Spieth s'est séparé d'eux, parce que lui aussi se blessait avec eux. Parce qu'il nous faisait faire beaucoup d'exercices de rotation. Et on sait que la rotation pour le dos, c'est pas bon, on le voit, le Ouais, swing de ouais. golf, c'est pas très bon pour le dos. Et le problème, c'est que. Donc, la rotation, si tu le fais à poids de corps, ça va. Mais si tu rajoutes des poids, ça devient vite dangereux. Donc, quand je vois des gens avec des câbles qui sont reliés à une machine où tu rajoutes du poids, et que je les vois tourner comme ça, c'est catastrophique pour le dos. Et c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup blessée à l'époque, c'est qu'ils me faisaient faire des rotations avec du poids. Et ça, c'est très, très mauvais. Donc, il vaut Donc, mieux j'ai arrêté travailler avec avec des eux. élastiques à la limite. Si on fait des exercices de rotation, vaut mieux avec des élastiques, exactement. OK. Vraiment des charges très légères. Ensuite, j'ai travaillé pendant 6 mois, 1 an. Après, je ne pouvais juste pas le voir avec mon cousin qui est à Hambourg et qui lui, il a très, je ne dis pas ça parce que c'est mon cousin, mais il a pas mal des meilleurs boxeurs mondiaux et des équipes de football. Il a toute l'équipe de Hambourg. Et il sait comment travailler la puissance, comment ne pas se blesser, parce qu'il travaille étroitement avec un des meilleurs chirurgiens qui est à Munich. Donc il a beaucoup de connaissances sur le corps et il sait vraiment comment développer la puissance, parce que forcément, en boxe, il faut savoir prendre de la puissance sans prendre du volume, parce que sinon tu passes dans la catégorie d'au-dessus au niveau des poids. Donc ça m'intéressait parce que j'avais envie, tant qu'à faire, de devenir un peu plus puissante sans gonfler. Et donc, Ouais, sans te retrouver à oui, parce que ça bodybuilder. ferait. Voilà, Donc c'est ça. c'est Et ce travail j'ai acquis des. Oui? sur sur ta tonicité qui t'a permis justement c'est une super pub là parce que c'est ce qui t'a permis après de taper fort la balle. Oui, c'est ça. Oui, ça a beaucoup aidé. Et ça m'a permis de aussi beaucoup mieux comprendre le fitness, l'entraînement physique, ce qu'il faut faire pour telle ou telle chose que tu recherches.
Aujourd'hui, j'ai beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Et donc maintenant, je m'auto-coach. Je n'ai plus besoin de voir. De temps en D'accord. temps, j'envoie un message à mon cousin en lui posant une question. Mais sinon, dans l'ensemble, je n'ai plus besoin d'être encadrée et je n'ai besoin de personne pour me motiver parce que j'adore ça. Mais c'est vrai que suite à toutes les blessures que j'ai pu accumuler dans ma vie, je fais beaucoup plus attention. Et je continue à faire de l'entraînement physique, mais je le fais beaucoup plus sagement, on va dire. Donc c'est marrant parce qu'on voit, et là depuis le confinement et à travers les interviews, on voit vraiment deux profils de joueurs ou de joueuses, hein, ça n'a rien à voir avec homme ou femme, mais on voit que certains joueurs ont besoin d'un staff très, très étoffé, avec un coach physique, mental, avec des consultants aussi bien au chipping, au putting, au driving, un fitter pour le matériel. Et puis, on a des joueurs ou des joueuses qui préfèrent travailler en garde rapprochée, en autonomie. Tu fais plus partie de ce profil de joueuse. Ouais. Après, je t'avoue que c'est aussi une question de moyens. Enfin, Ouais. tu sais, la plupart des hommes ont pas mal de, puis sur le tour, ont pas mal de sponsors et ils peuvent largement se payer tout un staff. Moi, j'avais voulu travailler avec Myriam Selmi, par exemple, mais quand j'ai vu les tarifs, j'étais là, mais je peux pas, quoi. Je peux pas. Financièrement, je ne peux pas. Donc après, j'adore lire. J'ai lu beaucoup, beaucoup de bouquins de mental et de nature, je suis quelqu'un d'assez combatif, qui se laisse pas vraiment aller. Donc ça va très bien. Et je me suis moi-même vraiment plongée dans tout ce qui est méditation. Et ça m'a beaucoup aidée personnellement à justement mieux gérer mes émotions et à mieux me concentrer et à plus rester dans le moment présent, ce qui est très important au golf. Parce qu'on sait toujours, on dit toujours coup par coup, mais je ne savais pas comment le faire. Et par le biais de la méditation, maintenant, je pense que mentalement, c'est peut-être le domaine que je dois moins le moins travailler au golf. Je pense que c'est mon point fort. Et c'est ce qui fait que malgré pas mal de lacunes techniques, on va dire, j'ai eu ma petite part de succès dans ma carrière. C'est parce que mentalement, je me bats jusqu'au bout. Et voilà. Alors c'est marrant parce qu'on a alors, la méditation, on en a parlé hier avec Clément Sordet, qui lui aussi est un adepte. On a une question de Lorraine qui rejoint aussi la question de Tiger Kawhet. Et c'est bien parce que pour conclure ce live, c'est à la fois c'est une question tournée vers l'avenir. La question de Lorraine, c'est quelle est la différence entre le LPGA et le Symetra Tour? Et la question de Tiger Kawhet, c'est justement quels sont les détails qui font que on peut passer d'un circuit à l'autre et qu'est-ce que tu vas améliorer, quelles sont les petites choses que tu vas devoir changer pour justement arriver au top niveau. C'est quoi alors l'avenir? Alors donc là malheureusement l'année dernière j'ai suite à donc j'ai 2017 ouais non 2018 c'est l'année où j'ai quasiment pas joué à cause des blessures que j'ai pu avoir. 2019 j'ai repris et ça a été un fiasco total. J'ai très mal joué et j'ai perdu ma carte sur le LPGA. Donc du coup je suis contrainte de jouer le Symetra. J'ai hésité longtemps entre jouer le Tour européen ou le Symetra Tour. Et même si le Tour européen est censé reprendre les couleurs, bon maintenant c'est un peu compromis avec le Covid, mais même si le Tour européen était censé reprendre les couleurs, il n'offrait pas de carte pour le LPGA à la fin de l'année. Donc ça a été vraiment le facteur qui m'a aidé à prendre ma décision de passer par le Symetra. Le Symetra, c'est une petite vingtaine de tournois, un peu moins bien doté que le Tour européen, mais pas une énorme différence, mais en tout cas plus de tournois, donc au moins ça me fait jouer. Et les tournois, bon, moi j'en ai pas joué beaucoup dans ma carrière, mais c'est pas mal organisé, les parcours sont plutôt bien, je trouve, de ce que j'ai pu voir. Et le niveau a nettement augmenté ces dernières années. Et l'ambiance est très sympa.
très très sympa. C'est un peu plus détendu que sur le LPGA. Et voilà, c'est un certain retour de simplicité. Il n'y a pas cette attitude de princesse qu'on peut de temps en temps trouver sur le LPGA. C'est bien, ça nous remet à notre place, c'est très bien. Et moi qui adore le golf, dire si j'étais pas passionnée par le golf, ça m'aurait peut-être embêté de repasser par le Symetra. Après, ça reste du golf, je suis contente. Donc voilà, à fond concentré sur le Symetra cette année. Et pour y arriver, ben il faut que aujourd'hui, donc voilà, au niveau du grand jeu, c'est nettement meilleur que l'année dernière, ça n'a rien à voir même. Et le putting, c'est bien. Donc voilà, j'étais assez confiante en début d'année, j'étais très confiante. Après, avec le Covid, c'est vrai qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va reprendre. On ne sait rien en fait. Bon, en tout cas, y a Martha qui te remercie parce qu'elle a passé un très bon moment en notre compagnie. Martha. Nous, on va se quitter. Encore un grand merci parce que avec le décalage horaire, on t'a pris un petit peu au saut du lit. C'est très sympa. Et aux qualités qu'a décrit tout à l'heure Paul Galitzin, qui a parlé de toi comme passionnée, travailleuse, athlétique, moi je rajoute l'adjectif sympathique. Merci beaucoup Johanna. Merci. Voilà. Alors, hop, je reviens là. Alors, nous, on se retrouve. Alors, vous avez vu, hein, Johanna, super, super sympa. Pour ceux qui sont arrivés au milieu, vous pourrez revoir le replay de ce live sur la page du Journal du Golf. Dès que nous aurons terminé, Rémi Rivière vous mettra ça sur la page du Journal du Golf. Nous, on se retrouve demain à 11h. On fera un question-réponse. Voilà, donc je vous laisse me poser les questions. Je vous répondrai en direct. Ce sera plus axé sur le putting et sur le petit jeu. Et vous avez aussi rendez-vous à 14h et à 17h avec Guillaume Biogeau et puis avec Lewis Wallace. Voilà, toujours la même chose. Restons chez nous et plus on restera chez nous et plus vite nous ressortirons pour peut-être jouer à partir du 12 mai sur un vrai parcours de golf. Voilà, bonne soirée à tous.